Ok, bon, ça commence mal, hein. Ah, d'accord, ok. Il pleut. Hop, et le jour est en train de se lever. C'est bon. Dormir quelques secondes juste pour faire passer la pluie. Ça a l'air d'être marché. Je sais pas, je viens de voir un truc. Attendez, c'est moi ou je viens de voir un truc? Non, c'est moi. Je reverrai bien au visionnage, mais il me semblait avoir vu une espèce d'étoile blanche, hein, une comment dire, une étoile. Alors, j'ai réfléchi ici. Je sais pas si ça, en fait, ça va être considéré comme un bloc. On va bien voir. On va bien voir. Alors, LS, donc Lumberjack. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, exception. Alors, on a une exception. Ligne 60, 17. C'était quoi ça? Ok, d'accord. Et merci de mettre de la merde là-dedans. Non, c'est bon. Bah, elle est passée où sa viande de zombie? Allez, ouais, résultat, je suis pas sûr qu'en fait ce soit. Enfin, ça. Ouais, non, dédale, j'allais dire, ça changera rien, mais. Bon. Donc, je disais 79. Ligne 79, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 79. 79. Ah oui, j'ai écrit Whale is wood, veine au milieu de doux. Donc évidemment, il aime pas. Une petite erreur d'inattention. En même temps, ils utilisent des accolades comme dans tous les langages. Ça n'arriverait pas. Ok, alors. Ligne 67, je fais appel à une fonction nulle apparemment. Mais en tout cas, le rechargement des saplines fonctionne. Je vais juste les reprendre pour refaire le test quasiment systématiquement. Mais déjà, il a aspiré les saplines, donc ça marche. Ligne 67, ça va être du débugage hein, maintenant. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Oh, c'est pas vrai, attendez, excusez-moi. Excusez-moi, c'est un petit peu mal à la gorge. C'est trop fort. Alors, oh, puis j'ai le hoquet maintenant, c'est pas vrai. Bon. J'ai trouvé ligne 67. J'ai écrit pulse au milieu de place. Enfin, place. Oh non, c'est pas vrai, j'ai le hoquet. Ah, c'est pas possible. Bon, on va essayer de continuer, mais je crois que j'ai le hoquet. Ok. Ah, oui. Oh putain, c'est pas vrai. Ah. Ça va rapidement couler. Alors, ligne 70 maintenant. Oh, on va, oh, je vais m'arrêter. Hein. Si ça devient insupportable, je m'arrête. Hein. Promis, promis. Oh, c'est pas vrai. Ça me saoule. Bon, c'est la même erreur, ligne 70. J'écris palace au milieu de, enfin, pulse au milieu de place. Merde. Oh, je suis vraiment désolé. Écoutez, je vais faire une pause. Je suis vraiment désolé. J'ai chopé le hoquet. Et c'est. C'est. Oh la connerie, putain, plein d'enregistrement quoi. J'ai honte. Bon, juste un dernier essai, je fais une pause. Il s'est arrêté, il devrait pas. J'en ai marre.
une seconde. Ok, bon, j'espère que c'est passé. Alors là, je sais pas pourquoi, le programme s'est arrêté. J'espère que c'est passé. Normalement, c'est passé, mais... on va l'arrêter, on va la reconfigurer. Je suis vraiment désolé pour ce hockey. Mais le pire, c'est que ça m'arrive régulièrement en ce moment. Je sais pas ce que, je sais pas pourquoi, ça m'arrive régulièrement et c'est assez agaçant, je vous l'accorde. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, peut-être qu'on va débugger. Hein. On va débugger de façon extrêmement simple. On va débugger de façon extrêmement simple. Je vais me mettre dans. Non, ça c'est la canne farm, ça a rien à foutre ça. Là ici, ça. Le mining, je peux le fermer également. Le moniteur a un problème, ça je l'ai vu. Alors, le moniteur. Alors, je vais vous montrer le moniteur juste une seconde. J'ai essayé de le lancer, j'ai fait deux petits bugs. Enfin, j'ai rectifié deux petits bugs. Et puis voilà ce qui me marque. Java exception. Pourquoi? Pourquoi tu me détestes? Apparemment, c'est Lua qui arrive pas à lire mon programme. Pourquoi? Je veux dire, il n'y a rien de compliqué dans le programme, quoi. J'affiche du texte, quoi. Je vais chercher du texte sur mon... Donc, je vais vérifier simplement, mais... Oh, j'ai trouvé. Je sais ce que c'est. Attendez, j'ai oublié de fermer le... C'était le fameux H-close, là. Vous savez, j'avais oublié de fermer... Enfin, j'avais pas enlevé le H-close. Bah, attendez, ça, je le fais rapidement en live. Hop, hop, hop. Enfin, en live. Alors, il faut que j'aille dans l'API. L'API. Et c'est dans HTTP. Hein, c'est dans... Ouais, c'est ça, c'est dans HTTP. HTTP, voilà. L'API d'HTTP. Non, non. Oui, non, c'est dans... Après, il faut que je fasse fclose. Voilà, c'est ça. C'est la fonction close. Et donc là, il faut que... Voilà, il faut que je fasse ça, hclose. Et ça retourne que dalle, mais ça ferme le truc. Donc, monitor. Et donc ça, c'est dans le getData entity, le hash. Il faut qu'après, je fasse un... Donc il faut qu'à la fin je fasse un hclose. Normalement ça devrait marcher. Non, toujours pas, va te faire foutre. Ok, d'accord, je sais pas pourquoi. Là en plus bah, je n'ai aucune indication hein. Je ne sais absolument pas pourquoi. Est-ce que c'est que... Est-ce que c'est ma fonction intoBool.str qui est trop longue et qu'il aime vraiment pas? Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Je ne sais absolument pas. S'il y a un truc qui le gêne, c'est forcément que ça. Hein. Ça peut être que ça, je veux dire. Je suis en train de relire le code là de actuellement, mais je vois pas. Je vois pas ce qui peut gêner. J'ai trouvé. Ok, c'est bon. Non, en fait, j'ai trouvé. J'ai oublié une ligne de code. J'ai simplement oublié une ligne de code. Je suis sûr que vous l'aurez vu. Ou je vous l'aurais marqué en annotation.
Non, toujours pas. Mais pourquoi? Et où est-ce que ça arrive? Attendez, je... ça, on va juste... En plus, j'affiche même pas le truc. Ça c'est bon. Oh merde! Lumber Jack. Bon, attendez. Alors, juste, je vais afficher. Okay. Attendez, on va juste débugger rapidement, j'en ai juste pour une seconde. Et on fera la même chose sur la tortelle après. Non, Java exception, il y a même pas de... attendez, je relance le jeu. Je relance le jeu. Il y a un problème. Je sais pas si ça vient du code ou si ça vient de... s'il y a une limite à Java, j'en sais rien. Je suis à combien de lignes de code? Non, normalement, j'en suis loin. Je veux dire, quand j'ai vu le programme, vous avez vu le programme que j'avais fait dans comment ça s'appelle? Dans Direwolf. Là, je suis qu'à 73 lignes dans le monitor. Je vois pas pourquoi il fait chier. Raison. Franchement, aucune raison. Init. Et la fonction init taillée bien. Redstone, sleep. Ouais, d'accord. Et là, je vous avouerai que je ne suis pas trop. On va... ouais, attendez, je vais juste essayer, parce que ça, c'est vraiment la grosse exception qui m'emmerde. Je veux vraiment savoir ce qui se passe, quoi. Oh attendez, est-ce que c'est... Non, ça peut pas être ça. Non, ça peut pas être ça. Non, ça le ferait sur les autres sinon. Ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Ah, attendez, 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 attendez. Pourquoi il l'a pas noté avant? Est-ce qu'il l'aurait pas noté avant? Moi, je tente autre chose, attendez. Si c'est ça... Non, c'est pas ça. Bon bah je regarderai, je taperai sur DuckDuckGo, savoir ce qui se passe. En attendant, ici. Alors ici...
Alors ici on a autre souci. C'est juste que. Donc il vérifie. Oh, c'est pas vrai. Ok. Voilà. Alors, Lumberjack, alors, checkpoint, sapling, je vais rajouter un slip. À l'occasion, il a juste grillé. C'est tout. Excusez-moi, ça a coupé quelque part, je ne sais pas où. Alors, normalement, pas très loin. Attendez, je vérifie juste. Ouais, ça date d'il y a... Allez, ça date de maximum une minute. Vous avez raté une toute petite minute. C'est trop rien. Et c'était du débugage. Donc c'était vraiment pas important. Alors, LS, Lumberjack. Et il reste bloqué là. Si je te dis juste comme ça dans l'idée, ok, d'accord. Alors là par contre, attendez, allez où ma... Par contre là il est pas monté là par contre. Donc là elle fonctionne mais elle est pas montée. Hein? Et pourquoi? Pourquoi t'as cru? Bon ok, il y a... Comme qui dirait, une couille dans le potage. Et puis elle est passée dans une... Et puis on va pas tout mettre la bonne mille parce que si me bouffe toute la bonne mille à chaque fois, je vais... Ça va pas le faire. Tiens d'ailleurs. On va le couper rapidement parce que de toute façon ça nous fait du bois, c'est pas en attendant que la tortelle ne soit débuggée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que... Elle est bien placée. Ah j'aurais du mal à la placer, tiens. Attendez, on va juste déjà... Hop. C'est justement mal la placer. C'est sympa, ça sert à rien à foutre là-dedans. Alors... Pourquoi? Pourquoi? J'ai tout qui fonctionne. Ah, c'est censé fonctionner. Vous avez vu comme moi. Enfin, normalement, il y a la logique qui va avec, quoi. Ben, le... Alors, on vérifie les... écoutez, je revois le code et puis on se retrouve de toute façon sur le code pour vous expliquer. Je vais essayer de trouver. Et je vous reprends tout de suite. Ok, alors, juste, alors j'ai pas fini entièrement de débugger le truc, mais les choses avancent. Déjà, la grosse connerie, c'est que j'avais pas mis
de carburant à l'intérieur. Donc évidemment, il pouvait pas monter pour simplement briser l'arbre et puis reprendre son travail. Donc il a considéré que vu qu'il ne pouvait pas monter, ben il est redescendu quoi. Donc c'est pour cela. Donc là avec le fait, donc alors ça marche presque. Franchement, ça marche presque. Il trouve sa position dès le départ. Ça, il le fait. Il pose une pousse. Il envoie une bonne mille seulement. C'est là le problème. C'est que en fait, il balance pas la bonne mille à volonté. Puis une fois que la pousse a poussé. Voilà. C'est bon. Je veux dire, il trouve quoi. Mais le truc, c'est que. Ah d'accord, c'est comme ça que je l'ai coloré en fait. Voilà, et alors un autre problème c'est, voilà, il vide son inventaire. Voilà, ça c'est le deuxième problème qui reste, c'est que il ne garde pas le boulot qu'il a. Par contre, elle est plus blanche, ouais, j'ai utilisé de la bonne mille dessus, et elle est plus blanche. Regardez bien. Magnifique, ah c'est cool ça. Ça marche sur les PC aussi. Apparemment non. Par contre, ça m'a gaspillé une bonne mille. Mais bon, mais non, en blanche comme ça, elles sont cool. Et je suis sûr qu'on peut les mettre en jaune, en bleu. Enfin bref, on s'en fout. Ouais, sinon ça fonctionne bien. Hein. Et donc vous voyez, elle va chercher. Et donc le d'utiliser ça et donc la prochaine fois que ça a poussé on est bon. Alors je continue à voir le programme. Alors juste je voulais c'était aller à ma table de craft. Voilà, parce que au mieux de la briser à chaque fois je veux dire. Donc simplement il y a juste un select 1 qui gêne quelque part. Donc là tu t'es arrêté. T'es pas arrêté. Faut te faire foutre. Bon. Et donc la dalle fonctionne bien hein, par contre hein, aussi pour détecter les blocs. Ça fonctionne. Alors hop. Hop. Donc il y a juste un select 1 à mon avis à rajouter quelque part, c'est pas très très compliqué. Ça doit être au niveau du minage hein, simplement. Donc ça doit être au lumb, simplement le lumb. Lumb, pourtant je fais un select 3. Je fais un select 3. Et je drop. Puis je sélectionne le 1. Bon, on va refaire un remplacement. Hein. On va sélectionner le slot 16. Donc, ouais, enfin, le code, je sais pas si, ouais, bon, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer le code. Je vous reprends tout de suite. Bon, le code ne doit pas être très très compliqué. C'est cette ligne-là. On va modifier. On va faire 16. On va faire un suck, un turtle suck. De 1 seulement. Puis on va refaire un turtle select 1. Voilà, simplement. Comme ça, en fait, on va juste sélectionner le slot 16, aspirer une bûche, comme ça, dans le slot 16, et puis resélectionner après le slot 1, simplement. De façon à ce que... voilà. Sinon, on pouvait spécifier... Bah attendez, j'ai dit n'importe quoi, mais on pouvait spécifier le drop dans les... attendez, je vérifie juste ça, parce qu'à l'occasion, on a peut-être un truc. Attendez, on a peut-être un truc. On a peut-être une formule mathématique qu'on peut utiliser. Attendez. Suck, suck. Enfin, le drop. Il me faut le drop déjà. Dans un premier temps.
Excusez-moi, mais je suis juste pas à l'abri où je suis dans le jeu. Alors, attendez, oui, donc l'API. Alors, il me faut juste le drop. Enfin, le drop. Number. C'est ça. Donc, on peut avoir. Donc, on peut spécifier le nombre d'items que l'on veut dropper. Et on a, il me semble, le nombre d'items que l'on a dans le. Donc, on peut faire quelque chose. Attendez. C'est ça. On va pouvoir le modifier. On va pouvoir le modifier assez simplement. J'ai toutes les fonctions qu'il me faut. Juste le suck, ça va être un suck de ça. Donc du nombre d'items que l'on a dans le truc. Donc ici. Et ouais, les parenthèses. Et puis ça, c'est moins 1. Voilà, histoire qu'on garde un. Ah, je dis n'importe quoi, c'est dans le drop. C'est dans le drop. J'ai été voir dans le sac, mais non, c'est dans le drop qu'il faut que j'aille voir. Ouais, non, mais bah, c'est ça, le drop. Donc en fait, non, donc en fait, hop. Donc cette fonction-là. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un gros gros doute. Non, on va garder cette idée du. Par contre, je peux spécifier sac 1 ici. Ouais, c'est ça. Je vérifie juste. Ouais, sac 1, c'est bon. Donc je peux. Allez, hop, contrôle S. On va retester une dernière fois. On va juste repasser la nuit rapidement. Hop. Et puis bah, je vous reprends dans le jeu. Voilà, pour que ce soit beaucoup mieux. Bon, excusez-moi. Petite. Ouais, attendez. Juste une seconde. J'ai ça à virer parce que ça m'ennuie plus qu'autre chose. Voilà. Alors. On va la refaire bien. Il en a en stock. Il a pas de bonne mille, mais. Ouais, si, l'histoire de la bonne mille, je n'ai toujours pas résolu. Alors, l'histoire de la bonne mille, si jamais je peux pas faire autrement, ce qu'on fera, c'est plutôt. On met un dispenser ici. Et ici, on vire le vert, on met un autre bloc. Et on met simplement ben, un signal de redstone. On met un signal de redstone à la place de ce coffre-là, puis ben, simplement le dispenser, on va le mettre au-dessus là, enfin au-dessus. Ah oui, mais non, au-dessus ça va être problématique. Bon, on va virer ça, et puis on met un dispenser, et puis ça va cracher la bonne mille, hein, ça c'est tout. Hein. On fera comme ça, et puis donc la turtle s'occupera juste d'envoyer un signal de redstone. Pour balancer simplement la bonne mille, hein, c'est tout. On va faire un contrôle de redstone là-dessus. Hein. Elle est classe en blanche quand même. Bon. Voilà, elle s'est bien positionnée. Vous avez vu, elle a fait un tour sur elle-même. Bon, elle a vu que la bonne mille, ça allait pas. Mais voilà. Donc elle bloque là. Elle bloque ici. Donc on va lui donner un petit coup de main. C'est pas bien compliqué. Problème c'est que je n'ai pas le. Voilà, voilà elle mine là-dessus. Pourquoi elle. Bon, mais par contre ça marche. Par contre le système il marche, c'est bon. Le petit fixe que j'ai mis fonctionne. Voilà quoi, trouve la solution et puis c'est tout quoi. Là par contre, elle l'a fait plusieurs fois, j'ai l'impression.
J'ai l'impression qu'elle a mis la bonne mille plusieurs fois, non? C'est quoi ce délire? Bon, de toute façon, même si, à la limite, on laisse pousser naturellement, vous savez. Puis à la limite même on l'aide de temps en temps à la main. Je veux dire, c'est bon, elle est autonome quoi. Elle est quasiment autonome. C'est juste que c'est le système de bonne mille qui marche pas. Puis la bonne mille, de toute façon, on l'a pas en illimité. Donc. Bah là, elle l'a fait plusieurs fois. Oh merde! J'ai mis de la flotte dessus, ça l'a nettoyé. Bah merde. On va y cracher de la bonne mille, hein, on va, enfin, presque tout. Non, ça c'est à moi ça. Trois bonnes mille devraient suffire. Ah non, elle en a craché que deux ce coup-ci. Mais pourquoi que deux? Bon, après les hoppers, j'en rajouterai d'autres. Hein. Sinon, ça fonctionne quoi, je veux dire. Jusqu'après, bah, c'est juste une histoire de durée. Mais remarque, c'est pas plus mal que ça attende, parce que ça a le temps de se détruire entre deux. Donc la bonne mine, c'est pas un mal si on s'en sert pas. Donc, non, pourquoi pas? Par contre, il y a le stock. Attendez, je pense savoir hein, pourquoi il n'est pas. C'est parce que là, ici. Attendez. Je dois juste rajouter. Je sais ce que je dois rajouter. C'est bon. Je dois juste rajouter ceci. Donc, c'est juste un turtle select 1 que je dois rajouter entre les fonctions grow up et lump. C'est ça. C'est juste ça. En soi, si on peut la. Allez, on va l'arrêter une dernière fois. Oh, attendez, j'ai envie de trouver le problème de la bonne mille. J'ai juste envie de trouver ce problème. Pourquoi? Checkbone. Donc ça, c'est une checkbone, on est d'accord. On dirait qu'il saute la boucle. Ok, d'accord. Donc c'est la. Ok, j'ai trouvé la condition qui pouvait provoquer ça. Maintenant, comment je fixe? Donc checkbone, isSapline. Oh, attendez. Oh, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. C'est Minecraft. La bonne mille ne peut pas marcher. Sur ce système-là, ça ne peut pas marcher. Enfin, si, ça peut marcher. Mais il va falloir que je supprime une condition. Alors, vous vous souvenez de la condition... Bah attendez, bah, je vais vous la montrer, la condition.
vais vous la montrer. Pas bien compliqué. Ouais non, ça c'est à moi ça quand même, faut pas déconner. Donc je peux la placer n'importe comment, de toute façon elle va trouver sa position, on redémarrage. Edit, lumber. Jake et Jack. Point loi. C'est point loi. Ça là, le commentaire au début je peux le supprimer, il me sert à rien. Alors, checkbone, ok d'accord. Voilà, c'est ça. C'est dans la fonction grow up. Ici, il y a checkbone and is sapling. C'est le is sapling qui pose problème. Parce que le sapling que je mets ici, voilà, c'est voilà, il a un identifiant, enfin il a une data value. Je sais pas laquelle exactement, mais il a une data value. Et je suis sûr que quand on balance un coup de bonne mille, la damage value, voilà, c'est ça en fait, la damage value doit changer. Et donc la turtle ne reconnaît plus que c'est une sapline. Et par conséquent, ça passe à false et il coupe la boucle. Alors je suis sûr que il faut que je vire le is sapling. Ou que je remplace simplement par. Pour être sûr. Hein. Alors, et quand c'est comme ça, je rajoute des parenthèses quand même. Pour être sûr. Voilà, simplement is void. Je vérifie si ce n'est pas du vide. Simplement. Si ce n'est pas du vide et que ce n'est pas du bois. Donc si c'est ni du vide ni du bois, voilà quoi. C'est. Mais même si. Enfin si c'est du vide, c'est un problème déjà. Mais. C'est que la sapline a été détruite au bout d'un moment. Mais même ça. Et tant que j'y suis. Ah oui, alors ok. Là, ici. Dans le temps là, le while dans l'espace, je vais rajouter simplement une fonction. Bah, je vais la copier-coller directement, attendez, vous allez voir. And un truc pas très très compliqué. J'en ai pour une seconde. Voilà. Simplement, si jamais je mets le bloc de redstone au-dessus, ça va couper le programme. Normalement, je vérifie. Le lamb là, ouais le while va virer. Le turtle down il va direct s'arrêter. Il va juste faire un demi-tour puis s'arrêter. Donc ça marche. Normalement. Contrôle save, contrôle. Ouais alors. Oui à tout. Loua Editor, t'es merci de m'enquiquiner. Alors. Juste. On va encore une nouvelle fois passer la nuit. Ça veut dire que ça doit durer pas mal de temps quand même mes épisodes. Mais je vais avoir du travail ce soir. Bon. Ah, en plus il commence à se faire tard en fait, mine de rien. Disons qu'il n'y a pas que dans le jeu qu'il commence à. Enfin, qu'il fait nuit. Hop. Lumberjack. Point loi. Ce coup-ci, c'est la bonne. Normalement. Voilà, il a trouvé. Ah non, évidemment, il tourne en boucle parce que. Ça, et ça, voilà, ça, il le considère plus comme étant une sapline. Bon, donc je l'aide à pousser. Mais voilà, en fait, c'est une histoire de data value. C'est une histoire con de data value, quoi.
Bon, donc je vais modifier juste le programme de façon à ce qu'elle contrôle plutôt un dispenser. Puis c'est tout, quoi. Ou on laisse comme ça. On laisse comme ça et puis c'est tout, quoi. Quand on a de la bonne mille, on l'aide à la main. Tant pis, il fait un mouvement trop qui est inutile, mais c'est pas... Je veux dire, c'est pas mort, quoi. C'est pas... Même s'il faut commenter la fonction, je veux dire, c'est pas... attendez, je vérifie juste si c'est possible de désactiver cette fonctionnalité. Simplement en mettant une fonctionnalité en... Ouais, en fait, c'est la fonction de checkbound, quoi. Faut juste virer la fonction de checkbound, quoi. Je regarde si c'est faisable. Ouais. Ouais, en fait, faut virer le while que je vous ai montré avec la condition, vous savez, bah, maintenant, is void égale false, tout ça. À la limite, ce while-là, on peut le virer. Si on prend pas en compte la bonne mille, en fait. Et puis, on garde simplement la boucle d'après qui dit is would égale false. Et rest on input top égale false. Bah, bon. Donc on peut faire ça, quoi. Je veux dire, on peut éventuellement virer le système de bonne mille comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. Je la mets en commentaire. Je vais la mettre en commentaire. Déjà, je vais voir si ma fonction d'arrêt elle fonctionne. Non, c'est pas. Hop, c'est juste ça que je voulais faire. Donc là, voilà, là elle va faire demi-tour. Et là, elle s'arrête. Merci pour le truc. Alors, ok, donc ça, je peux, hop, le récupérer. Et donc, je vais juste commenter cette ligne. Enfin, cette boucle. Je le fais dans le way editor, hein, c'est simplement, je rajoute deux tirets à chaque fois devant. Hop, CTRL S. Je vous montre dans Computer Craft si ça vous amuse. Voilà, ici, le while checkbone là, voilà, qui fait en fait, bah, c'est simplement la boucle qui fait que je balance de la bonne bille normalement. Cette boucle là, elle est en commentaire, ça veut dire qu'elle n'est pas exécutée par le code, simplement. Je passe directement au while is would égale false. Voilà, comme ça, tant que ça, ce n'est pas devenu une bûche, il bloque. Et je vais même faire autre chose. C'est dans le init. Alors, je vais quitter, puis je vais le faire directement. Enfin, attendez. Hop, exit. Je vais le faire depuis l'UI Editor, puis vous montrer. C'est juste dans la fonction init. C'est juste un truc tout con. Quoique. Ouais, non, c'est bon, j'ai déjà mis le or is wood, parce que je voulais juste savoir si c'est du bois, alors il doit rester... Mais en fait, c'est le is sapling, en fait, qui fait chier, quoi. Parce que c'est juste une question compte data value, quoi. C'est ça le pire, quoi. Si elle a commencé à pousser, ben, la data value a changé, et résultat, ben, la turtle ne reconnaît plus la sapling comme étant une sapling, et puis ça fait chier, quoi. Voilà. Tout, hein. Quand on est emmerdé. Voilà, et donc là, eh ben, la turtle se perd tant que ben ça n'a pas poussé. Bon, bah, en attendant ça, je peux le virer. Éventuellement, je vais pouvoir le remplacer par encore un... ouais, ici, j'ai du charbon ici. Hop. La roche, c'est pour me refaire des écrans. Ça. D'où elle sort l'obsidienne? J'en sais rien.
Bon, l'autre programme qui nous manque, c'est ça. Alors, je vais juste refaire des moniteurs. Alors, les moniteurs, si je dis pas de bêtises, il va me falloir... plus que prévu, hein. Enfin j'en ai plus qu'il en faut. Hop, donc ça aider, je viens de le poser. Donc si je dis pas de bêtises, si je fais ça, puis ça, ça me fait des moniteurs. Ok, on est d'accord. Je vais m'en faire une dizaine. Moins que ça même, que 8, mais bon. Ouais, j'aime mieux comme ça. Allez, donc toi, pourquoi? Pourquoi Java Exception Throw? Alors, en plus, c'est vachement vague. Alors je sais ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire qu'il a simplement relevé une exception, mais l'exception elle vient d'où? Alors, zut. Alors simplement... le init ici. Alors j'avais essayé de commenter des commentaires pour voir, enfin de commenter des lignes pour savoir si ça venait de... des lignes ou pas, mais là on va voir déjà s'il y a quelque chose qui cloche ici. Mais à la limite, je suis presque sûr que c'est mon int tout c'est ça. Je suis sûr que c'est ma fonction int var machin. On va juste abréger le nom de la fonction. Boot. Boot au mieux de boule, moi, n'importe quoi. Ouvrirai le truc sous l'UI Editor plus tard. J'essaye de le modifier devant vous sur sur ComputerCraft directement, mais franchement c'est plus agréable quand même de travailler sur l'UI Editor. Toujours une exception Java, mais c'est quoi l'exception Java? J'ai pas de. Attendez, il y a juste un truc que je vais vérifier, c'est le. C'est simplement le serveur web quoi que j'ai bien les bonnes données. Attendez, je vais juste vérifier ça. Je vérifie ça hors caméra, enfin hors caméra. Ouais, je coupe, je vérifie ça. Juste les données que me renvoie le serveur web, voir si elles sont bonnes ou pas.